Bonjour tout le monde, moi c'est Daphné, c'est moi et Tania qui va donner le cours pour les enfants d'initiation à la danse et de danse créative, donc les 3, 4, 5 ans. D'habitude, c'est pas nous qui le donnent, fait que les enfants vont pas nécessairement nous reconnaître. Puis on connaît pas les enfants, alors on a essayé de s'adapter le mieux possible à chacun des enfants pour les cours. Comment les cours vont fonctionner, c'est qu'il va y avoir un réchauffement, comme ils font dans leurs cours habituellement, et une mini chorégraphie d'environ 1 minute, et un étirement à la fin. Tout va suivre un après l'autre, ça va alterner moi et Tania, comme aujourd'hui je fais le réchauffement, Tania va faire la chorégraphie et les étirements à la fin. On va changer de chorégraphie à toutes les semaines. Fait que ça va faire de la variété pour vos enfants, ça va leur permettre de bouger, puis d'apprendre des nouveaux mouvements, puis des nouveaux styles de danse peut-être, des nouvelles musiques, leur apprendre à compter. Fait qu'on reste beaucoup dans l'apprentissage pour pas que toute l'année soit perdue, parce que c'est ça. Fait que on va faire le réchauffement, on invite les enfants, demandez à vos parents qu'ils le fassent avec vous, demandez à vos frères et sœurs aussi, ils peuvent participer tout le temps. Toute la famille ensemble, trouvez-vous un petit trou dans la maison, ça peut être fait n'importe où. On demande pas que les mouvements soient parfaits ou qu'ils soient faits pareil. Le but, c'est de bouger, c'est d'apprendre, c'est de danser. Fait que si c'est difficile aussi, qu'est-ce qui est le fun avec la vidéo, c'est que là, on va expliquer vite pour que vous n'ayez pas juste à regarder des vidéos. Mais vous pouvez reculer. Vous pouvez demander à papa ou maman de reculer pour être sûr que vous avez bien compris les mouvements. Puis si vous avez des questions, vous pouvez leur demander aussi parce que nous, on n'est pas avec vous aujourd'hui. Fait que vous n'allez pas nous voir. Fait que vous pouvez demander à papa ou maman ou reculer la vidéo. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Quand vous allez faire les vidéos, si vous voulez partager des photos de vos enfants qui participent au cours de la maison, ça serait super. Ça peut être partagé sur la Cité de la danse ou de les envoyer à Marie-Belle. Je suis sûre qu'elle serait très contente de voir vos petits cocos bouger. Fait que on va commencer. Dans le fond, on fait un réchauffement. Faites juste comme moi. On fait des isolations. Fait qu'on part de la tête, le cou, les épaules, jusqu'aux pieds. Après ça, on va bouger un peu pour se réchauffer, pour être sûr de ne pas se blesser quand on va faire la chorégraphie. Puis après ça, on va bien s'étirer avant de commencer. Fait que faites comme moi. Je vais mettre la musique. On fait tout un après l'autre. Puis après ça, vous allez pouvoir enchaîner avec Tania pour la chorégraphie. Fait que je pars ma musique. Bien que l'enfant, les mains sur les hanches et on fait des oui. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, des non. What? Go. What? Go. What? Go. What? Go. Et on roule, on fait des grands cercles avec la tête. Et l'autre côté. Cinq. Les épaules, les mains. Go!
Demi. Les deux en même temps et mon. C'est ça, on continue même si cette musique. C'est ça, mon. C'est ça, monte. Descend. Encore, descend. Et hop. Monte. Plie. Monte. Plie. Monte. Et on plie et on reste. Remonte et plie. Le plafond et on descend. On monte. On chatouille le plafond et on tourne. Et on dégourdit, on dégourdit, on dégourdit. J'allais changer la chanson. Ok. On court. Et là, on lève les genoux très haut. Et les talons aux fesses, comme ça. Vous pouvez courir partout si vous voulez. Partout, partout, partout. Et hop, les jumping jacks. Stop, bien, stop, bien, stop, bien, stop. Encore. Et on tourne. Qu'on est bien étiré, on va aller rejoindre Tania qui va vous montrer la chorégraphie et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde, bonne journée!
Donc, on va être rendu à vous montrer la petite chorégraphie de cette semaine. C'est un petit enchaînement qu'on va vous montrer, dans le fond, un enchaînement différent à chaque semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un petit jazz qu'on va faire. Les autres semaines aussi, ça va être des petits jazz, mais on va essayer de varier un petit peu le tout là, pour que ce soit le plus amusant possible. Donc, comment qu'on commence ici? On commence avec le refrain. Donc, ça commence ici vraiment simple. Donc, moi, je vous l'explique pour commencer sans musique, puis après, on va mettre la musique, là, on va la faire une ou deux fois ensemble, et ensuite, ça va être à vous de pratiquer à la maison. On vous invite, Daphné et moi aussi, à pratiquer avec vos frères, vos sœurs, vos parents, donc, pour avoir le plus de plaisir possible. Donc, comment ça commence? Ça commence ici avec des hanches et les bras ici qui font des vagues un petit peu dans le ciel. Donc, 1, 2, 3, 4 et monte le bras, monte le bras. Donc, tes pieds font des step, touche. Donc, en même temps, lève le bras, en même temps, lève le bras. Pour ici, tourner 3, 4, talon 5, amène 6. Et 7, 8 ensemble. Et le refrain revient une deuxième fois. Donc, tout de suite, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et tour. 2, 3, 4, talons 5 ensemble, talons hop, ensemble. Et ensuite, des petits coups de hanche. Boum, 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 boum. Et 5, 6, 7, 8. Donc, ça ici, c'était le petit bout du refrain qui va revenir au début et à la fin de l'enchaînement. Le petit couplet entre tout ça, c'est bien simple, je vous montre. Donc ça fait plier, allonge, plier, allonge, et on pareil de l'autre côté, et plie, allonge, et plie, allonge. C'est comme des step touches, c'est juste ouvre ensemble dans le fond qu'on fait. Mais avec ça, on fait des petits pliés avec les genoux. Ensuite, demi-point, donc t'es ici. Donc, lentement. Pam, pam, rapide. Hop, hop, hop. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, rapide. 5, 6, 7, 8. Pour step, retirer. Et step, retirer. Retirer, on s'assure d'être vraiment au genou pour avoir un beau retiré parfait. Ensuite, on a terminé ici nos retirés. Petit bonhomme, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Pour ensuite chasser à droite ou à gauche, comme vous le faites, là, ça ne me dérange pas du côté. Donc chasse, 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 chasse pour cloche, 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 cloche. Et de l'autre côté, et chasse, 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 chasse et cloche, 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 cloche. Et on termine tout ça avec des petits step-touches. Donc, step-touche, step-touche. Et avec ça, si tu te sens à l'aise, tu peux ajouter des épaules. Donc, on fait juste rouler nos épaules ensemble. Donc, roule ensemble et roule ensemble. Donc, ça fait un petit roulé d'épaules à chaque fois que ta jambe bouge. Donc, si elle ouvre, en même temps, il y a un petit roulé. Et ils se rassemblent, on roule, on ouvre et on roule, on assemble et on roule. Donc, c'est un petit challenge qu'on vous donne. Et ensuite, on termine avec notre refrain. Donc, 1, 2, 3, 4, et monte, 6, 7, 8, et tourne, 2, 3, 4, et talons ensemble, et talons ensemble. Encore, 2, 3, 4, et monte, 6, 7, 8 et tourne, 2, 3, 4 et talon, hop, et c'est terminé. Donc, on l'essaye cette fois-ci avec la musique. On essaye ça. Donc, la musique ici, c'est Ton sourire de Tibbs. Donc, si les parents, vous voulez la mettre à la maison, là, ça pourrait être bien apprécié. Donc, tu commences la musique au refrain, au premier refrain, donc vers 40 secondes environ, là, c'est parfait. J'ai changé tout ça, et je vais vous montrer ça.
Donc on n'oublie pas d'entendre avec le chaque plank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Encore. Tourne, 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 tourne. Monte, monte. Tourne, 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 hop. 5, 6, 7, 8. Plie. Hop. Et puis, on monte. Et puis, les mains. Demi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et 7, merci. Et 7, volontiers. 1, 6, 7, 8. 4, 4, 4. Cloche, 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 cloche. 4, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 4. Et le refrain une deuxième fois. 1, 2, 3, monte, monte. 1, 2, 3, talon, talon. Monte, monte. Tourne, tourne, tourne. Talon, talon. 1, 1, 1. C'est terminé. Donc voilà. Je vous invite à pratiquer beaucoup, beaucoup la petite chorégraphie. Vous pouvez la modifier si vous préférez, ça ne me dérange pas. Vous pouvez la raccourcir, la rendre plus facile, la mettre plus difficile. Donc libre à vous. Bien essoufflé. Donc, voilà. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre petite chorégraphie. Donc, bonne pratique. Et si vous, les petits, si vous faites votre chorégraphie, vous l'apprenez. Vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook. Bye bye! Donc, on vient allonger les jambes bien, bien devant nous. On allonge plus qu'on peut nos jambes, nos genoux et nos pieds ici. Notre dos est bien, bien droit. Plus qu'on peut. Et on vient pointer. Et flex. Et pointe. Et flex. Et pointe. Flex. Pointe, flex, encore, et pointe, flex, et pointe, flex. Et ici, on vient étirer en haut, en haut, et on penche devant. Et on essaie d'aller le plus loin possible. On essaie de ne pas plier les genoux, c'est difficile des fois. Et on va moins loin si jamais nos genoux ils veulent plier. Donc, on essaie d'étirer. Et on reste ici, et on vient pointer les orteils, et on reste en bas encore. On reste encore, et on laisse tomber la tête devant, on essaie de relaxer, de prendre du temps, et on remonte, grand, grand, grand. Et on redescend. Et on reste les pieds bien pointés, les jambes bien allongées. Et on reste. Et on remonte. On vient ouvrir de chaque côté ici. On ouvre. Donc, le dos est le plus droit possible. Et nos pieds sont bien pointés encore. Et on vient pencher sur le côté. On reste ici. On reste. Plus possible.
est capable, on reste, on reste, on reste. Et on vient coller les pieds ensemble ici, comme le petit papillon, on peut faire le petit papillon un petit peu ici, on fait aller nos petites ailes de papillon, on bouge un petit peu, comme vous faites dans le réchauffement, hein, pas, c'est pas loin de nos habitudes avec vos enseignantes de danse. Donc ici, on essaie d'aller étirer maintenant ici, donc tu viens coller tes pieds ensemble, prendre tes pieds ensemble, et tu penches devant. Tu essaies d'aller sentir tes petits pieds. Tu essaies d'aller rendre ta tête jusqu'à tes pieds. Et tu restes. On reste, on reste. Et on remonte doucement. Et si tu veux étirer un petit peu plus avec tes coudes ici, tu peux venir appuyer sur tes genoux. Juste un petit peu. Et ça va faire plier un petit peu plus tes jambes. Et on reste. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around. Don't worry about me. Et on remonte. Don't worry about me. Super. I'll climb the hill. Et ici, on vient tirer une jambe devant. Donc, on met la jambe ici devant et on vient pousser ici pour bien l'étirer. On peut mettre les bras de chaque côté. On essaie, on essaie, on essaie les plus grands, on est capable. Et on vient s'asseoir sur notre pied et on allonge pour aller toucher nos orteils. On reste. Derrière. Ici, on vient pousser un petit peu sur notre jambe devant pour étirer le bassin ici. Presse. On descend derrière ici et on étire devant. On essaie d'aller toucher notre jambe, l'autre pied est caché derrière. On est assis dessus. Ici, petit bonhomme. Et on vient dérouler et on essaie de toucher nos pieds, nos mains par terre encore. Tu peux ouvrir un petit peu tes jambes et on essaie de rester ici. Puis on essaie, on touche au plancher, on peut se balancer un petit peu sur le côté. Donc balance. On vient toucher nos pieds sur le côté. On l'attrape bien, bien, bien dans nos mains. On a les pieds bien droits, bien alignés devant. On essaye de ne pas tourner les pieds, on les laisse devant et de l'autre côté. On change de cheville, on vient prendre l'autre cheville dans nos bras, dans nos mains. Et on remonte en haut. Et on va travailler un petit peu les pieds. On va faire les petites demi-pointes comme dans les chorégraphies. Et hop, et hop. Pour bien étirer nos chevilles. Et on monte les deux et descend. Descend. Super! Donc voilà pour les étirements. On essaie de se voir la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien étiré tout ça. Bye bye!